Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. le débat de ce Smart Impact et je vous présente mes invités Sébastien Onies bonjour. bonjour vous êtes le président de Climate Seed et Nathan Bonisso bonjour le cofondateur de Plan A bienvenue à, à tous les deux euh, Climate Climate Seed je le prononce comme je peux euh, présentez-moi votre entreprise Climate Seed c'est une société qui a été fondée en 2018 euh, qui euh, aide les clients dans toute leur action climatique donc on est sur toute la chaîne carbone Mesures, réductions, contributions, qu'on appelle souvent compensation carbone, mmh. et surtout on aide les clients sur la communication pour éviter tous les tous, de, de se faire attraper pour greenwashing. Oui, ça c'est une étape importante. Vous dites surtout. Oui, oui, tout à fait. En fait, les beaucoup d'entreprises sont très vertueuses dans leur, dans leur comportement et puis derrière vont mal se comporter en termes de communication, ne connaissent pas bien les rouages, n'ont mmh. pas le bon vocabulaire, la bonne sémantique et du coup derrière bah, vont se faire attaquer malheureusement et des fois même les décourager par rapport à l'action qu'elles ont pu mener. Mmh. Euh, plan A, Nathan Bonisso, vous étiez déjà venu euh, dans l'émission plateforme d'évaluation de l'empreinte carbone euh, et conseil pour l'optimiser, j'ai à peu près euh, résumé. C'est à peu près ça exactement, <laughs> alors euh, nous travaillons également avec euh, d'autres entreprises pour les aider à décarboner leurs Activités. Alors, c'est-à-dire que nous proposons des outils software, mmh. euh, digitaux, qui permettent euh, aux entreprises de mesurer, puis de créer des plans, des objectifs et des plans de réduction, ouais. qui leur permettent donc d'atteindre des objectifs de réduction carbone. Mais quand, quand on parle justement d'objectifs de, de, ou, de, ou de gains, euh, on est dans quelle proportion Est-ce que c'est parfois spectaculaire Ah, ça peut l'être, tout à fait. Euh, la façon dont les mesures de carbone sont organisées, c'est selon des scopes. Scope mm -hmm. 1, scope 2, scope 3. Oui. Et bien souvent... Pour rappeler ce... en, deux, en, en deux secondes. Alors que ça en deux présente. mots, euh, ça représente les émissions directes. Mm -hmm. euh, par exemple, l'essence qu'on met dans sa voiture, les émissions indirectes qu'on contrôle, c'est-à-dire l'électricité. Oui. Et tout le reste. Le scope le 3, c'est toutes les parties prenantes, l'impact les, les, des produits dans l'usage des clients, c'est ça En, en amont, en aval, la distribution, etc. Voilà. Et c'est bien souvent là que se trouve la, la plus grande partie de mmh. l'impact carbone. Donc déjà créer de la visibilité autour de ce scope 3 oui. et ensuite de permettre aux entreprises de faire les bonnes décisions. Donc ça peut avoir un énorme impact. Mmh. Et de toute façon, ça doit avoir un énorme impact si on va atteindre les objectifs, par oui. exemple, des accords de Paris mmh. de 40%. Euh, Sébastien Nounès, ça commence par quoi Des questions simples pour réaliser son... Son bilan carbone alors, Tout d'abord, il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait un bilan carbone. Une mmh. entreprise elle peut avoir une pression réglementaire pour le faire, elle peut avoir ses clients qui la poussent à le faire. Donc, beaucoup de grands, grands comptes aujourd'hui vont, dans, leur, dans le cadre de leur euh, procédure d'achat responsable, pousser les entreprises à faire des bilans carbone mmh. euh, ou alors juste, elle a envie de, quelque part, mettre, contribuer à, ce, à, ce, à la lutte globale contre le réchauffement climatique. Derrière... Euh, euh, la première chose qui a à faire, c'est un meeting de, de cadrage. En fait, généralement, on essaie nous d'embarquer tout le top management, mm -hmm. euh, essayer de cerner ce qu'on veut faire, donner les objectifs. Puis après, il y a en effet déterminer quel périmètre on souhaite on souhaite mesurer. Derrière, on, on va collecter de la donnée, on va l'analyser, et puis sur la base de ça, on arrive à une étape qui est extrêmement importante, c'est le plan d'action, parce que le, la mesure carbone, c'est un peu que le, le tour de manivelle, c'est que le début. Derrière, l'idée c'est de passer en mode actif, donc il y a un plan d'action de réduction des émissions. Et enfin, on a le reporting et la communication toujours. Ouais. Euh, je reste avec vous, euh, Sébastien Nunes. L'enjeu en, des prochains mois, voire des prochaines années, il faut qu'on voit évidemment plus loin. On commence à le faire certains commencent à le faire c'est d'intégrer toutes ces données, ces données qu'on appelle extra-financières, au bilan des entreprises C'est une excellente question. En fait, euh, la, la valeur qu'on donne finalement au carbone, aujourd'hui, elle n'est euh, aujourd pas du tout intégrée dans une chaîne de valeur. L'idée, c'est justement de la pousser au maximum dans l'aspect euh, dans la, la mesure financière d'une entreprise ouais. pour pouvoir avoir un nouveau levier d'action et pousser les gens à agir. Mmh. Est-ce qu'il faut changer les, les, les règles pour ça, Nathan Bonisseau C'est vrai qu'il y a la taxonomie européenne qui est en train de se mettre en, en place, qui a été euh, actée, mais bon, euh, on va dire que dans son application concrète, il y a encore un peu de, un peu de, de délai, donc ça qui flèche les financements, les investissements en fonction de leur, de leur impact positif. Euh, Est-ce qu'on peut dire que ce sera bientôt le cas avec ce, ce système-là, que euh, les, les engagements et. Euh, et ce qu'on appelle les données extra-financières vont de plus en plus être intégrées au bilan des entreprises. Oui, tout à fait. C'est déjà en marche, comme vous ouais. le précisez très bien. La taxonomie de l'Union européenne est le plus gros, le plus gros changement récent. Et effectivement, les régulations sont en train de créer un système à côté et intégré à au reporting financier. Donc, on a vraiment la construction aujourd'hui. De la même manière qu'on a une construction d'un système de reporting financier, de ouais. un système de transparence, Know Your Customer, etc., mm -hmm. euh, on est en train de voir la création de la même chose pour des notions d'environnementale, des notions sociales et des notions de gouvernance. Mm -hmm. Donc effectivement, euh, les règles sont en train de changer, les règles ont déjà changé, et les règles concernent de plus en plus d'entreprises de petite taille, d'industries différentes. Mm -hmm. Et donc effectivement, c'est un grand changement auquel les entreprises doivent s'adapter. Ouais. Ce n'est pas forcément facile de s'adapter, mmh. car il y a des euh, questions notamment de collecte de données, euh, des questions d'interprétation des données, de savoir-faire euh, qui sont propres à la décarbonation. Ouais. Euh, on, on doit, si je ne me trompe pas, hein, en France, on doit déposer sa comptabilité carbone auprès de l'ADEME. Euh, c'est obligatoire depuis 2010, c'est ça Sauf que c'est quoi C'est tous les 3 ou 4 ans c'est tous les trois ans. Ça dépend. Des, ça dépend beaucoup des entreprises. Il y a aussi des accords euh, selon les industries notamment mm. et selon les tailles euh, des entreprises. Mais effectivement, c'est la DME qui est dépositaire de cette euh, de ce rapportage en France. Ouais. Euh, il y en, il y en a. Il y a plus de, 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 de parties prenantes, notamment au niveau de l'Union européenne, mm. euh, auxquelles certaines certaines entreprises sont confrontées. Mm. Notamment le secteur financier. Euh, du ouais, ouais. euh, Sébastien Lunès, est-ce qu'il faut, euh, est qu faut un bâton On ne pas parler de carotte ou de bâton. Euh, je, euh, Jean-Marc Jancovici euh, euh, dit qu'il faut des sanctions pour les entreprises qui ne tiennent pas leur comptabilité carbone. Est-ce que vous pensez qu'il faut aller jusque-là <laughs> bah, Encore une fois, c'est une excellente question. Je pense que la première chose, en effet, la première brique, c'est la pression réglementaire. Euh, je pense qu'il y a la, la, la pression réglementaire derrière, qu'elle soit au niveau des investisseurs tombe sur les entreprises, qu'elles soient au niveau des grands clients, mmh. elles tombe sur les entreprises. Donc je pense qu'in fine, le système va finir par se réguler par lui-même. La question après, c'est le temps, et on n'a pas le temps. Donc euh, moi, je, je suis assez favorable d'une certaine sanction quelque part. En fonction, alors il faut trouver les bons indicateurs, mais en fonction de la taille, en fonction des revenus mmh. des entreprises. Mais si on, on se tient au rapport du GIEC qui, euh, qui détermine une situation qui est catastrophique, et qui donne trois ans pour agir, mmh. malheureusement, on n'a pas le temps d'attendre que le système se régule par lui-même. Ouais. Quand, quand on parle de comptabilité, euh, Nathan Bonisseau, est-ce qu'il faut revoir les règles comptables C'est-à-dire que euh, ça suppose quand même euh, des règles communes, des règles acceptées par tous. Donc est-ce qu'il faut revoir les règles comptables le, le corpus méthodologique qui permet de faire ces calculs, ouais. euh, par exemple, comment est-ce qu'on calcule l'empreinte le, carbone mmh. d'une un, banque ouais. dont le scope 3 est énorme, car les mmh. investissements, etc. est en train, lui aussi, d'être mis en place. Ouais. Donc il y a beaucoup de groupes de réflexion, beaucoup de, euh, on dirait, des think tanks ou beaucoup d'acteurs de, de, de ces différents milieux qui se rejoignent et qui vont créer un certain nombre de normes. C'est notamment le cas du... GHG protocole qui oui. est les inventaires, les inventaires du scope 1, 2 et 3, oui. euh, mais ça devient de plus en plus précis, car la question devient de plus en plus technique. Oui. Donc effectivement, il faut qu'on travaille d'un point de vue régulation et aussi d'un point de vue méthodologique pour, pour que les entreprises puissent effectivement faire face oui. à ces régulations, si on n'a que les règles, mais pas les outils pour... Bien sûr. Appliquer ces règles, ça devient beaucoup ouais. plus compliqué. Et, et, et ça suppose un accord euh, international pour que ça ait du sens Oui, bah, par définition, si c'est adopté uniquement par un certain euh, pays, par des, il y aura un décalage compétitif quelque euh, bah, part. Il faut vraiment qu'il y ait, bah, comme, on, on, comme souvent, malheureusement, pour ne pas se, se tienner une balle dans le pied, il est important de, de, de discuter au niveau international, de reconnaître cet aspect carbone dans la comptabilité au niveau international. Euh, vous étiez avec euh, Climate Seed, partenaire de Change Now. Qu'est-ce que vous proposiez aux, aux participants alors il y a eu plusieurs choses sur Change Now La première chose, c'était déjà de mesurer donc l'impact carbone de, de l'événement, donner des conseils pour réduire cet impact carbone, mmh. euh, les aider à communiquer de façon responsable. Et puis après, on a fait aussi des, 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 des petits sondages pour essayer de mesurer, aider les gens à prendre conscience de l'impact carbone. Donc on avait. On a aujourd'hui un outil de mesure d'impact de carbone pour les, les, les gens, pour les personnes physiques, et donc on est passé dans le salon et on a aidé les gens à mesurer leur impact carbone pour essayer de leur faire prendre conscience bah, de, de leur impact carbone et surtout leur, leur rappeler quelle est la target pour pouvoir tenir les accords de Paris et voir à quel point ils étaient en, en décalage. Donc on a fait aussi pas mal de Sensibilisation au sujet carbone. Oui. Et avec un engagement euh, sur le, la, la préservation des forêts euh, amazoniennes, c'est ça Alors, Oui, tout à fait. On a proposé en fait des euh, donc la, la compensation de l'événement, la contribution de Change Now à des, à des projets de compensation carbone, mmh. euh, c'est fait sur un projet d'Amazonie, préservation de la forêt, en effet. Euh, donc avec un gros impact biodiversité, un impact sur les, les communautés locales, parce que c'est ça quelque part. Le, le, ce qui est beau par la, dans, dans ces projets de, de, de compensation carbone volontaire, cette contribution climatique, non seulement elle, elle va stocker ou éviter les émissions carbone, mais en plus, on va agir concrètement pour la biodiversité et pour les, les populations locales. Donc il y a des co-bénéfices qui vont au-delà du carbone avec mmh. ces projets. Mmh. Euh, Nathan Benisseau, vous, vous élargissez, on l'a évoqué hein, le Scope 3, mais euh, vous les, les élargissez la couverture de votre logiciel euh, de comptabilité à ce scope 3. Euh, pourquoi c'est plus compliqué Je voudrais qu'on rentre un peu dans le détail. Alors, si on rentre dans le détail, euh, c'est essentiellement une question de disponibilité et de collecte de données. Ouais. Lorsqu'on essaye de mesurer le scope 3, on va s'adresser aux fournisseurs par exemple d'une entreprise. Ouais. Et c'est déjà compliqué de trouver notamment les données dans l'entreprise elle-même, mais lorsque l'on a un proxy en plus et qu'un fournisseur doit faire remonter des données notamment de... De livraison, de poids de données qui sont assez précises au final ça devient beaucoup plus compliqué donc c'est c'est vraiment là le, le grand défi c'est de rendre ces données disponibles de sécuriser évidemment ces données mm -hmm. et de faire en sorte que cette relation fournisseur et entreprise fournie ne, ne seront pas à cause de à cause de ces décisions également ouais. on, nous ce qu'on encourage et j'entends parler de compensation c'est intéressant il y a beaucoup de formes différentes de compensation et notamment on s'intéresse à un concept qui s'appelle le in setting donc c'est Offsetting, c'est vraiment payer pour des projets à l'extérieur de son environnement direct. Mmh. Le insetting, c'est investir notamment dans des projets qui vont décarboner la chaîne de valeur. Notamment installer, pour un exemple, des panneaux solaires euh, sur des usines que vous-même, votre entreprise, utilise pour mmh. se faire fournir. Ouais. Et donc, ça permet de décarboner la chaîne. C'est un exemple parmi tant d'autres mmh. et qui vous indique un petit peu la, le niveau de technicité, le niveau de, de profondeur de données dont on a besoin pour mesurer ce scope 3. Ouais. J'espère que j'ai été clair. Oui, c'était très clair, très intéressant. Je voudrais terminer, euh, Sébastien Nunes par l'état de, on aurait pu commencer par là, de prise de conscience de vos clients. Mmh. Euh, parce qu'on discute souvent ici, on parle souvent de claque climatique, de nécessité de formation, formation des, euh, des ministres, formation des chefs d'entreprise. À, à quel point ils sont, euh, ils sont euh, informés suffisamment de l'urgence euh en fait il y, a, il y a une segmentation à faire quelque part entre quelque part les grands groupes qui ont justement cette pression un petit peu réglementaire pour qui le sujet du climat est assez bien euh, intégré au niveau des drse des Fois il y a besoin de sensibiliser un peu plus le CEO. Là où il y a un peu de travail à faire, c'est plutôt sur les petites entreprises. Et là, il, y a, il y a, et en France, il y, a, il y a un gisement terrible d'économie carbone quelque part. Euh, les petites entreprises ont besoin de plus sensibiliser. Généralement, il y a le CEO qui a 50 000 trucs à faire et qui doit potentiellement en plus avoir cette casquette de DRSE. Et c'est pas évident pour lui. Donc là, il y a, il y a vraiment un travail de sensibilisation, d'éducation et surtout leur proposer des solutions pour qu'ils puissent entrer dans cette démarche sans avoir une, une casquette de plus à, à porter. Merci beaucoup. Merci à, à tous les D'être venu nous présenter vos entreprises et ces nouveautés en matière de comptabilité des gaz à effet de serre. On passe à Smart Ideas tout de suite.